Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le défenseur des droits, Madame la secrétaire générale de la Défense et de la Sécurité nationale, Mesdames et Messieurs les autres personnalités, Mesdames et Messieurs, la semaine dernière, un prix Nobel scientifique américain qui voulait quelques précisions sur la France m'a posé la question est-ce que vous, en France, vous pratiquez la présomption d'innocence Question terrible. Et qui pouvait poser tant on entend, euh, parfois on lit, des, des expressions du type euh, ⁇ le criminel présumé sera bientôt appréhendé ⁇ Avec obstination, il nous faut penser sécurité et justice. L'institut qui nous réunit ce matin n'est pas né de la dernière pluie. Il est né parce qu'un ministre anticipateur, Pierre Jox, que je salue, a conçu méthodiquement et globalement, ces deux ministères de 1985 et 1988, une rénovation globale du domaine dans lequel s'est inséré naturellement l'Institut qu'on ne comprend pas sans ce contexte. Invention du concept de sécurité intérieure qui apparaît dans le décret du 10 septembre 1991 sur l'Institut, plan de modernisation de la police en 1985, attention au personnel avec le référentiel métier, ou la multiplication par quatre des périodes de formation et le premier code de déontologie en 1986. Paris gagné sur la science au service de la sécurité avec un plan spécial pour la police judiciaire scientifique. Euh, et en police judiciaire, la science, ça veut dire la preuve. Cette pensée de la sécurité intérieure s'est bâtie autour de notions plus indispensables que jamais 30 ans après, décloisonnement entre services, dialogue avec les partenaires de toute nature, notamment locaux et industriels, distance pour observer les faits, modernisation, formation, objectivité. Nous avons besoin d'expertiser les thèmes de sécurité et de justice avec distance intellectuelle et méthode scientifique. Certes, nul demande que la science remplace police et justice, comme dans l'Eldorado de Candide. Écoutons Voltaire, citation Candide demanda à voir la cour de justice, le Parlement. On lui dit qu'il n'y en avait point et qu'on ne plaidait jamais. Il s'informa s'il y avait des prisons, et on lui dit que non. Ce qui le surprit davantage et qui lui fit le plus de plaisir, ce fut le palais des sciences, dans lequel il vit une galerie de 2000 pas, toute pleine d'instruments de physique. Citation. Nous avons simplement besoin que sécurité et justice fréquentent, tutoient même la science. D'autres institutions y contribuent les écoles de fonctionnaires et de magistrats coopèrent avec la recherche, les missions de recherche comme droit et justice, les commissions du Parlement et bien sûr les universités et centres de recherche. Notamment l'investissement du CNRS sur la radiographie du terrorisme dans ses différents aspects est très intéressant. Les deux derniers prix de thèse de notre institut, sur la comparaison des politiques pénitentiaires françaises et allemandes, Mme lance levé et sur les années de plomb en Italie, la peur provoquée par le terrorisme, Monsieur Le Kouang, témoignent brillamment de l'apport des jeunes chercheurs à la compréhension et donc à la définition des politiques publiques de justice et de sécurité. Depuis 30 ans, s'attelle à cette tâche, cet institut, non pas mystérieux, mais au moins étrange, ne serait-ce que son. Euh, son, son résumé euh, absolument in, non prononçable de Dines J, j'ai encore du mal à, à le faire, euh, non pas mystérieux mais au moins étrange, où l'on préfère élargir les vues que garder à vue, anticiper les transformations sociales que les subir, où ce qui réunit n'est pas une salle d'état-major mais une bibliothèque, ça a été déjà dit, où la pensée n'est pas uniforme, où le forum n'est pas le prétoire, un lieu de débat de professionnels et du théoricien, un lieu où l'entreprise n'est pas un fournisseur mais un co-auteur, un lieu de rencontre de différentes nationalités ouvertes sur l'Europe, un laboratoire de la pensée, des phénomènes de délinquance et des réponses publiques. Notre objet, il faut bien le dire, est insaisissable car la sécurité absolue n'existe ni pour les dirigeants ni pour le peuple. Ainsi, comment le prince est-il protégé par des études de probabilité Hermione encourage au reste au régicide, citation, enfin qu'attendez-vous, il vous offre sa tête, sans garde, sans défense, il marche à cette fête, fin de citation, car Pyrrhus a choisi de paraître sans garde, il n'en ressortira pas vivant. Le SPHP a lu Andromaque, la sécurité parfaite des grands n'existe pas, il faut pourtant réduire les risques au prix d'une discipline de fer des services spécialisés. La sécurité parfaite des gens normaux n'existe pas plus. Il faut pourtant leur permettre de vivre raisonnablement et de savoir que les méchants seront punis, justement proportionnellement à la gravité de leurs méfaits, mais réellement punis. Pour rendre une justice juste et utile, pour diriger la sécurité dans l'intérêt général, j'en appelle à une neuroscience du régalien où les études et recherches psychosociologiques, mais aussi biologiques, mathématiques, médicales, technologiques ou linguistiques doivent éclairer les responsables à tous les échelons pour qu'avant tout, ils comprennent eux mêmes comment ils conçoivent et appliquent les politiques. Plus que régalien, sécurité et justice sont sensorielles. La sécurité résulte des cinq sens, et les cinq sens sont un terrain infini de recherche scientifique la vue par l'observation et les caméras l'ouïe par les auditions et les écoutes. Et les deux vont quelquefois, quelquefois ensemble, les, la vue et l'ouïe. L'empereur sadique Néron les réunit pour mettre Junie sous pression. Citation. « Vous n'aurez point pour moi de langage secret. J'entendrai des regards que vous croirez muets. » Fin de citation. Britannicus. « J'entendrai des regards. » Je regarderai aussi les sons. La menace est lourde. Le j'entendrai signifie ici je comprendrai et je saisirai à tous les sens du mot. Louis, le sens policier par excellence, comme en RDA où les prêtres démontaient en se tordant le cou. Citation d'un des plus grands romans de la RDA deux micros, les fameuses punaises, les Vanson, l'une fixée sous le siège du confessionnal, l'autre dans la couronne d'épines du sauveur. Fin de citation. Trois, le toucher par la palpation de sécurité et le bâton. 4 le goût, qui sélectionne la drogue et détecte le poison. 5 c'est peut-être l'essentiel, une question d'odorat. L'être humain sent immédiatement l'odeur de la prison et de la cellule. Pensez à Joseph Andras, de nos frères blessés, citation, un étrange odeur, impossible à définir et à décrire, quelque chose d'acre et de spongieux, fin de citation. Et je parle devant au moins trois anciens gardes des Sceaux. L'odeur de la misère et de la richesse aussi. Sécurité et liberté sont une question d'honneur, on le sait, mais c'est aussi une question d'odeur, car l'odeur, c'est la perception, la mémoire et le classement. L'odeur du pouvoir, d'abord. Euh, Alfred Polgar remarqué dans les années 30, citation, ce n'est pas désagréable de se trouver sur le même plan que l'autorité. L'odeur du pouvoir officiel enivre l'homme simple et l'idée que l'on joue dans la même cour avec les magistrats est quelque chose qui peut mettre en émoi le plus chaste des citoyens. Fin de citation. L'odeur de la puissance, ensuite, Zola, son Excellence Eugène Rougon, Citation. Il s'étira les bras, les mains nouées derrière la nuque, jouissant comme pâmé par l'odeur administrative, l'odeur de la puissance satisfaite qu'il respirait. Fin de citation. Et puis l'odeur de l'obéissance, là c'est génie, l'art français de la guerre. Citation. La peur n'est qu'un prétexte que l'on se donne pour obéir. Le plus souvent on préfère obéir on ferait tout pour être ensemble, pour baigner dans l'odeur de la trouille, pour boire l'excitation qui rassure, qui chasse l'horrible inquiétude d'être seul. Et puis enfin, l'odeur de la liberté, celle que nous avons tous sentie un jour, après une période, pas nécessairement de prison, mais d'enfermement ou de contrainte, je pense à l'hôpital, le pensionnat, l'armée, etc. Nous sentons tous ce matin une cérémonie utile pour un institut utile, car ce, dans ce contexte, le sixième sens, c'est peut-être, ce devrait être la justice. Dans le Larousse universel de 1923, une belle définition de la sécurité. Citation. Confiance, tranquillité d'esprit résultant de la pensée qu'il n'y a pas de péril à craindre. Fin de citation. Esprit et pensée. Toujours le cerveau. Sécurité et justice ont besoin de l'indépendance de la science et de l'université. S'il n'existait pas, quatre raisons pratiques et quatre raisons plus théoriques nous amèneraient à inventer l'Institut dont nous parlons aujourd'hui. Quatre raisons pratiques et d'abord le besoin de science l'institut a été inventé pour que les forces se rapprochent et s'enrichissent des perspectives des sciences avec la mathématique et nous nous réjouissons du retour de l'INSEE dans le, la comptabilité des flux de sécurité avec les autres sciences la police scientifique telles que les sciences du comportement lecture d'adn intelligence artificielle avec les sciences sociales avec la physique et l'électronique à condition et dans ce croisement de euh, sécurité, euh, justice et science, il faut le dire, à condition qu'il n'existe pas plus de science policière que de médecine pénitentiaire. Il existe la médecine en prison et la science, dont l'objet peut être la sécurité. Police sans droit, comme science sans conscience, ne sont que ruines de l'âme. Deuxièmement, la formation. L'Institut a été inventé pour que la formation renforcée des policiers soit accompagnée symétriquement d'une formation des représentants de la société pour se préparer aux nouvelles situations, aux nouvelles réponses. Sur le précédent DHEDN avait été conçu et vit encore un modèle favorisant la police et la gendarmerie nationale, avec un S. La sécurité de la nation, comme pour la défense, l'armée de la nation. Trois, les missions. L'Institut a été inventé pour explorer les adjectifs de la mission de police. Police nationale, municipale, de proximité, scientifique, police judiciaire, police politique, point d'interrogation. Dans les anciens pays de l'Est, et j'ai pu en faire moi-même l'expérience, comme beaucoup d'entre vous, chacun était surpris de se découvrir au moindre incident entouré de badauds qui se révélaient des policiers en civil. Ouvre tel camp dans la tour, se souvient. Une dispute de voisins éclate. Un ABV, l'un de ces îlotiers qui portait le nom dabschnitz befoll d'ailleurs chargé de secteur, surgit aussitôt. Que se passe-t-il, citoyenne Mais, fin citation, mais il est vrai que sur ce plan, aujourd'hui en France, le citoyen ressentirait plutôt le manque que l'excès. Et dans un pays qui a inventé la police judiciaire, il n'est pas contradictoire de faire vivre un institut d'études sur la sécurité et la justice. Et quatre, de ces premières raisons pratiques, l'Institut a été inventé pour proscrire, quelque chose que, auquel je tiens, pour proscrire la fascination de la force. La fascination pour les forces qui est accentuée par tout un appareil de représentation des télévisions, séries, réseaux sociaux. Décrit par Racine encore, le grand exemple de fascination pour la force, pour sa propre force, c'est Néron. Quand ces hommes enlèvent Junie, il apprécie le spectacle. Citation. Que veux-tu Je ne sais si cette négligence, les ombres, les flambeaux, les cris et le, et le silence et le farouche aspect de ces fiers ravisseurs, quoi qu'il en soit ravi d'une si belle vue, j'ai voulu lui parler et ma voix s'est perdue. Fin de citation. Le tyran perd sa voix VOX et perd sa voix VOIE parce qu'il est ravi par la vue de sa propre force. Ravi. Satisfait et à à la fois. Toute ressemblance avec des situations plus contemporaines serait purement fortuite. Ce vers de Britannicus est certainement soumis à la méditation aux écoles de commissaires et d'officiers et même peut-être à l'ENM. La grandeur des forces de sécurité est d'être proportionnelle, efficace, ouverte à l'évaluation et au contrôle. Le peuple leur accorde le respect pour le service rendu, mais exige justice pour les efforts réussis comme pour les erreurs commises. Mais, je vais terminer par là, il y a quatre raisons plus théoriques, peut-être plus fondamentales pour défendre et promouvoir l'Institut. La première, c'est la liberté. L'Institut a été inventé parce que la sécurité est une condition pour assurer l'exercice des libertés, garantir les droits de l'homme et du citoyen. Ceci suppose le calme des agents devant des agressions répétées et violentes et une économie dans l'usage de la force qui n'a rien de naturel si elle n'est pas acquise de longue date par des années d'exercice. Ça suppose aussi compréhension, maniement du droit. Et euh, le ministre Jocques, qui a créé l'Institut, est le même qui a fait afficher la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans les commissariats de police. Deuxièmement, la civilité. L'Institut a été inventé pour que la sécurité soit civilisée. La sécurité n'est pas la guerre, même, et je dirais, il faut tenir surtout en période de terrorisme. La sécurité et la justice consistent à assurer la paix publique et la réduction des atteintes. Il faut à la fois prévenir et réprimer en se souvenant de l'exhortation de l'abbé Mabli, c'est mon fouché à moi, monsieur le vice-président. Un législateur éclairé s'occupera plus des moyens de prévenir le délit que de la manière dont il les punira. À réfléchir. Comment éviter de franchir la ligne rouge La sécurité et la justice requièrent une réflexion constante sur la limite, la limite de la tolérance aux infractions et de la vengeance privée, la limite de la loi, la limite de ce que l'on peut demander raisonnablement aux agents et aux magistrats, aussi la limite de la force, des moyens de contrainte. Aujourd'hui, San Francisco refuse nettement la reconnaissance faciale. Paris doit s'interroger sur tel type de grenade ou de balle de défense. Et cette réflexion n'appartient pas seulement aux policiers et gendarmes, ça les concerne évidemment au premier chef, mais aussi aux citoyens et à leurs représentants. Trois, justice. L'Institut a été inventé pour que la sécurité devienne toujours plus intelligente, y compris dans les rapports avec la justice. Ne rêvons pas, depuis Orwell et une histoire birmane, les magistrats et les policiers ne s'aiment pas. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas dans la bluette, mais dans une politique publique. Il existe un haut devoir de coopération et de respect entre justice et sécurité, chacune dans leur rôle constitutionnel. Entre elles, ni partenariat, ni chaîne. La seule chaîne que nous connaissons est celle décrite par Balzac dans une double famille, la chaîne qu'à le cartonnier faisait jadis tendre tous les soirs pour la sûreté publique. Justice et sécurité travaillent ensemble dans leur mission constitutionnellement distincte. Et quatre, la dernière raison, plus fondamentale, vous avez prononcé le mot de philosophie, monsieur le vice-président, j'ai bien aimé. L'Institut a été inventé pour oser réfléchir à la permanence du mal à la banalité du mal au sens d'Anna Arendt, qui peut conduire jusqu'au mal absolu. L'Allemagne s'occupe ces jours-ci du pire criminel en série du siècle, suspecté de 332 homicides. La France connaît la nuit oppressante des attentats, et dans le domaine international, elle ouvre des procédures pour génocide et crimes contre l'humanité. L'insupportable ne deviendra jamais supportable. Mais la culture et la science partagées aident certainement les personnels dans leurs tâches exposées et les personnes et organisations légales dans leur rapport avec eux. Nous allons avoir quatre tables rondes. La première sur le rôle euh, du responsable politique, de quelles informations, de quelle expertise, de quelle contribution scientifique il a besoin. La deuxième, où les forces de sécurité ne sont pas les seuls producteurs de doctrine et de pratique de la sécurité, comment détecter, comprendre les phénomènes de la délinquance pour les euh, maîtriser, comment rassurer et protéger, comment surveiller et punir. Et puis nous nous arrêterons euh, un instant sur les mots de la sécurité, car les mots euh, sont qualification. Qui dit qualification dit représentation représentation imposée qui oriente choix et politique. La sécurité et la justice font l'objet depuis toujours, et je trouve ça assez sain, encore faut-il le lire et le reconnaître, d'une discrète mais vive compétition sur les mots. Vous voyez la succession de sécurité nationale, sécurité intérieure, quelles sont les différences entre les concepts. Le Parlement s'en est beaucoup occupé. Nous aurons une troisième table ronde sur le temps de la procédure. Et de l'importance si vive du code de procédure pénale qui caractérise la vision d'un pays sur la liberté et la nécessaire punition. Il sera temps de répondre alors à mon professeur américain. Et puis une quatrième table ronde sera déjà une sorte de synthèse. L'état de droit peut-il et sait-il se défendre J'en arrive à ce que vous attendiez tous, ma conclusion. Euh, finalement, CNRS et CRS peuvent utilement échanger. Non, leur mission, mais leurs observations. Il faut savoir se servir de l'Institut. Il permet depuis 30 ans à des milliers de responsables de prendre du temps pour approfondir les réussites et les faiblesses de nos institutions de sécurité et de justice. Pour mieux euh, maîtriser la charge que la nation leur confie, Alfred Polgar, toujours dans les années 30, a une idée d'en pas fait pour ça. Citation La pauvreté et la police ne s'entendent pas bien ensemble celle-ci ayant pour rôle essentiel de faire obstacle aux trop bonnes idées qui pourraient venir à l'autre. Entre ces deux-là, s'est établie une, une hostilité naturelle, comme entre le rat et le chien, l'œil et le poing, l'imagination et le règlement. Fin de citation. L'Institut est là pour rêver, ce n'est pas interdit, d'une sécurité qui, pour se dépasser elle-même, irait, pas tous les jours, mais de temps en temps, lirait un texte de Polgar si possible à deux voix avec la justice l'imagination et le règlement ensemble pour l'état de droit je vous remercie